Une marche de 100 km à travers les Yvelines en 4 jours, un pari fou imaginé par l'association La Gerbe. Cette opération, baptisée Cyclotour 78, consistait à relier à pied la commune d'Écquevilly à Versailles en passant par Saint-Quentin-en-Yvelines. Objectif de ce périple, dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes au Congo. On estime que depuis 1996, avec le début des conflits, l'instabilité du pays, il y a eu plus de 200 000 femmes qui ont été violées. Viol comme arme de guerre, hein, c'est systématique, c'est pensé et volontairement pour déstructurer les familles, déstructurer les villages. Tout est fait au vu et au su de tous, volontairement. Ces marcheurs ont poussé symboliquement un vélo en hommage aux bénévoles de l'association présente en Afrique. Ces derniers transportent des lits médicalisés dans tout le pays pour des interventions chirurgicales. Au total, une dizaine de personnes a participé à l'intégralité de ce périple. Cette marche, elle nous demande des efforts, mais on n'a rien sans rien, il y a un prix à tout. Il y a le coût de l'effort, mais aussi le plaisir de la cause qu'on défend, le plaisir d'être aussi avec des personnes qui sont motivées, qui comprennent le sens de tout ce que l'on fait. Très volontaire. Ça demande des efforts puisqu'on n'est pas du tout des marcheurs, on n'a jamais marché jusque-là, donc on marchera peut-être plus après. Ça donne envie en tout cas. Le cyclotour 78 s'achève ce jeudi au conseil départemental des Yvelines à Versailles. Si vous n'avez pas marché aux côtés des bénévoles pendant cette opération, vous pouvez faire un don sur leur site internet. Cet argent permettra de financer des interventions chirurgicales en Afrique.